Ah, ok les gars, nouvelle boutique du 12 mai 2024. C'est parti, il y a toujours les petits skins de foot qui sont disponibles. Alors les gars, j'en profite pour vous rappeler, dans 10 jours, la saison se termine. Donc terminez bien sûr votre passe de combat si vous n'avez pas encore terminé. Mais j'ai très très hâte de découvrir ce que Fortnite nous a réservé. Donc, ok, la logique est enfin là. Il y a le pack de My Hero Academia qui est sorti hier. Donc les méchants, et enfin du coup les gentils qui sont disponibles, donc les différentes collaborations, donc la wave 1 et la wave 2 qui sont disponibles du coup en entière. Donc en vrai c'est pas mal du tout là, comme ça toutes les personnes qui voulaient des skins en rapport avec My Hero Academia là, ils vont être contents. Donc Billy Eilish toujours disponible, 7 custom. Il y a certains qui m'ont demandé est-ce qu'elle allait rester justement jusqu'à la fin du pass estival dans la boutique. Les gars, je peux pas vous dire honnêtement, vu que c'est une custom qui sortit après. C'est possible, mais bon, vous connaissez Fortnite, il n'y a pas toujours de logique dans les choix. Ensuite, du coup, FNCS saison 2, FNCS saison 1. Qu'est-ce qu'on a du coup ici? Le pack de Punk. Alors d'ailleurs, les gars, pour vos achats, je vous le rappelle toujours, mais pensez à mettre le code créateur LEN dans votre boutique. C'est totalement gratuit à faire. Merci à toutes les personnes qui pensent à le faire chaque jour. On enchaîne donc le pack. Bon, il n'y a rien de spécial quand même à l'intérieur. Il y a le petit skin, le petit outil de collecte, plus le sac à dos juste là. On enchaîne juste ici. Attends, mais la boutique. Ah ok. J'ai eu un peu peur, frérot. J'ai juste eu un peu peur, puisque du coup le billboard il était en dessous. Donc là on a la partie pour les médecins et tout ça, le billboard justement de Star Wars. Et du coup est-ce que c'est une fin de boutique? C'est fort probable les gars que ce soit une fin de boutique. Et oui, du coup c'est une fin de boutique. Donc clique tout de suite au centre de l'écran pour visionner ma dernière vidéo.